Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une petite vidéo. J'ai eu ce matin dans ma boîte à lettres deux participations. J'ai eu pas mal de courriers aujourd'hui. Donc, je vais vous faire les vidéos. Alors déjà, je vais faire la vidéo pour les participations. J'en ai eu deux. Et il y en a encore au moins 31 personnes inscrites dont je n'ai pas reçu les participations. Donc, dans toutes les vidéos que je fais pour les participations, donc je dis et je le répète, c'est dernière ligne droite, voilà. Vous avez jusqu'à lundi pour poster votre participation. Donc, si vous voulez toujours participer, n'oubliez pas, avant lundi, il faut la poster. Puisque c'est le lundi, on est le 31 janvier et que le concours, il se termine le 31 janvier au soir, bien sûr. Donc, les courriers qui seront postés donc lundi, si vous me prévenez, si lundi, dès que... je vais y arriver. Ouf. Si vous postez lundi et que lundi, je reçois un mail en me disant que vous venez de poster votre participation, je veux bien attendre 2-3 jours le temps qu'elle arrive, sachant que de toute façon, le tirage au sort, il ne sera pas fait avant... Enfin, je vais faire sûrement fin de la première semaine de février. Je pense que ce sera assez compliqué de le faire avant, parce que entre... la fin du déménagement, le temps qu'on s'installe un petit peu, etc. En plus, j'ai des démarches administratives à faire. Donc, je n'aurai pas forcément trop le temps. Et bien sûr, bien évidemment, nous allons être quelques jours sans Internet. Donc, ça complique aussi un petit peu les choses. Mais dans tous les cas, voilà, il faut m'envoyer votre participation au plus tard lundi prochain. Voilà, aujourd'hui, on est mercredi. Donc, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Vous avez 5 jours pour poster. Après, ce sera trop tard, il faudra attendre mes 10 000 abonnés, puisque je ne pense pas que je ferai de concours avant, enfin, je ne pense pas. Donc, voilà. On attaque? Allez, on y va. Donc, alors, aujourd'hui, donc, j'ai eu la participation de Mireille, voilà, Mireille du 13. Donc, Mireille du 13, tu as le numéro 80. Et j'ai reçu aussi la participation de Audrey de la chaîne La Fée Bricoleuse, voilà, de Suisse. Et donc, Audrey, tu as le numéro 81. Voilà. Donc, hop, allez, je mets de côté. J'ouvre le... Oups, j'espère que j'ai pas mis la... que vous n'avez pas vu l'adresse. J'espère, parce que des fois, je fais des bêtises. Hop, allez, on va ouvrir. Voilà. Alors, hop. Voilà. Donc, Mireille du 13. Oh, regardez-moi ça. Magnifique carte de vœux. Meilleurs vœux. Tout en simplicité, comme j'aime. Et très, très jolie. J'adore. C'est tout, les couleurs sont coordonnées. Avec meilleurs vœux. Trop, trop joli. Écoute, meilleurs vœux à toi aussi. Du coup, je vais lire le petit mot. Bah, écoute, moi aussi, je te souhaite vraiment une très, très, très bonne année. Voilà, que tous tes vœux se réalisent. Voilà. Une bonne santé. Parce que ça, sans santé, et tout, tout, tout plein de bonnes choses. Bah écoute, merci pour tes vœux et pour ta petite carte. Et donc, je présume que c'est ton kiss. Il est magnifique aussi, coordonné à la carte. Bonne année, c'est très... J'adore. Franchement, trop beau. Ah, je vois que le petit kiss, il est là. Ah oui, en parlant du petit kiss, il me semble en fait qu'il y a eu des fois certains kiss que j'ai oublié de chercher ou de montrer où il y avait le mot kiss.
Mais pour me rattraper, à la fin du concours, je vais faire une vidéo où je vais présenter toutes les quiz, tous les quiz que j'ai reçus. Et à ce moment-là, eh bien, on regardera tous les quiz. Voilà. Donc, Mireille, tu aimes tout dans le scrap. Ta couleur, c'est le rose. Tu as toujours fait des travaux manuels. Tu touches un petit peu à tout. Bah écoute, en tout cas, c'est très très joli. J'adore. Oh, ça s'est plié un petit peu. Voilà. J'adore les coups. C'est tout bien coordonné. C'est comment dire, c'est simple, mais c'est très beau. Comme j'aime. Voilà. Et donc, Mireille, tu as le numéro 80. Hop, je vais y arriver. Voilà. 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 Et donc maintenant, hop, la participation de Audrey. Donc là, elle a sa chaîne hein, qui s'appelle La Fée Bricoleuse. Je mettrai le lien pour sa chaîne en barre de description de cette vidéo-là. Voilà. Et donc Audrey, tu as le numéro 81. Alors, c'est pareil, hein. Je l'ai ouverte avant. Je n'ai pas regardé ce qu'il y avait dedans, vraiment. J'ai juste cherché le kiss, le dos du kiss, parce que je ne sais même pas ce qu'il y a sur le kiss, en fait. J'ai juste regardé où il y avait les écritures pour voir qui me l'envoyait. Parce qu'elle n'a pas mis de. Il n'y a pas de nom, il n'y a rien. Hein. Donc, du coup, ben, je ne savais pas qui c'était, ni si c'était en fait une participation ou pas. Donc j'ai juste fait comme ça et j'ai cherché et j'ai fait hop, voilà, j'ai fait ça comme ça, j'ai vu qu'il y avait des choses écrites et j'ai sorti ça. Donc pour le reste, j'avais pas vu. Oh, et elle est magnifique. Oh là là, enfin il est, oh là là, c'est un kiss. Il est magnifique. Alors, hop, non, c'était là, ça va suffire. Et donc, c'est une participation qui me vient de Suisse. Regardez comment c'est magnifique. Une petite pépette, comme je les adore. Le fond qu'elle a dû faire elle-même. Il y a des petits tamponnages de petits cœurs roses. J'espère que vous voyez bien. Hop, elle a mis un petit cadre avec la petite pépette, avec de la mousse 3D et les fleurs. Elle a fait des petits coins. Là, les flèches, elle a mis du glitter ou du glossy. Parce que ça brille là aussi dans LOL. Il y a du glossy. Et là, il y a un jour, une histoire. Les petites flèches. Exclusivité. En tout cas, c'est magnifique. Et donc, comme je vous disais, sa chaîne, c'est Fée Bricoleuse. Voilà. C'est sa kiss numéro 1. Bah écoute, pour une numéro 1, elle est magnifique. Trop, trop contente. Alors, tu aimes les couleurs pastel, le rose, le turquoise, le vert d'eau. T'aimes les univers féeriques, le kawaii. Ah, je ne sais pas ce que c'est le kawaii. Ah, faut que j'aille chercher ce que c'est. Et le chabi. Tu crées des cartes, des albums, des home déco, des bijoux d'albums, des objets en pâte polymère, des embellissements et des objets en 3D. Lors des échanges, t'aimes surtout retrouver le style de ta binôme dans ses créations et surtout qu'elle s'amuse. Voilà. En tout cas, elle est magnifique. J'adore, j'adore, j'adore. De toute façon, j'arrête pas de dire j'adore, mais elles sont toutes. Non, mais c'est pas vrai ça. Elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Je les trouve juste magnifiques. En plus, là, c'est dans les couleurs que j'aime bien, les pastels, rose, bleu pastel, j'adore. Et tout est coordonné. Ah oui, t'as mis aussi du glossy sur les yeux, la bouche, la petite fleur dans les cheveux, les chaussures. Non, mais c'est trop mignon. Et le kiss, il est là, sur la petite fleur. Voilà. C'est trop beau, vraiment. Merci, merci beaucoup, Audrey. Donc là, hop, ah oui, il me semble que tu m'as envoyé un petit mot. Oui, j'y arrive, j'ai du mal là. Hein. Je suis désolée si des fois je vous dis des bêtises ou si je ne sais plus quoi répondre des fois. Mais
entre les choses qui sont ici, les choses qui sont dans l'autre maison, le fait que bah, j'ai pas ma tête dans mon atelier, alors du coup je me rappelle plus. Enfin bref, mais il me semble que tu m'as envoyé un mail où tu me disais que tu avais oublié de mettre le timbre. Mais de toutes les façons, vu que c'est de la Suisse, je ne sais pas si tu aurais pu m'envoyer le timbre de la Suisse. Hein. Je ne sais pas trop comment ça marche. Bah, je ne sais pas. Mais c'est pas grave. Hop, je sors tout ce qu'il y a dans ma petite... dans ma grande enveloppe quand même. Hein. Alors là, je pense que ça doit être la carte. Oups, un petit peu l'enveloppe et c'est un peu déchirée. Oui, oh regardez comme elle est jolie. Trop jolie. Meilleurs vœux. Très très jolie carte. J'adore. Hop. Le petit hop. Tampon. Fait bricoleuse, création artisanale. Et donc, ton petit mot. Bah, écoute, moi aussi, je suis ravie que tu participes à mon concours. J'aime bien quand je reçois. Là, j'ai reçu des kiss du Canada, des kiss voilà, de Suisse, de Belgique. Je suis contente. Moi, je voyage en même temps. Bah, écoute, merci beaucoup. Trop, trop gentil. Et bonne année à toi aussi. Meilleurs vœux. Voilà. Et donc, oh, oh là 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 là, regardez comment c'est joli. Alors, je vais l'ouvrir. Un petit bijou d'album ou on peut le mettre aussi dans notre sac, hein, en fait. Hein, mais c'est un bijou d'album. Regardez, c'est trop joli. J'espère que vous voyez. Je vais me lever quand même pour vérifier. Parce que je me dis que vous voyez. Oui, si. À part que la lumière, je suis désolée, mais comme je vous dis, c'est gris. Malgré tout, je trouve qu'il y a quand même pas mal de lumière, mais c'est gris, donc ça fait un peu tristounet. C'est trop, trop joli. J'adore. Hop, il y a un petit téléphone. Hein. Regardez. Hop. Ah, je vais le mettre comme ça. Hop là. Un téléphone avec un petit cœur en velours. Hein. Et là, il y a les petits mots « rêve secret ». Il y a un petit nœud là, il est juste magnifique, j'adore, trop trop beau. Et hop, et il y a le petit, je ne sais pas comment on appelle ça, qu'elle a dû faire avec du papier. Voilà, coupé en petites lamelles, c'est trop trop joli. Vraiment, c'est trop trop beau, j'adore. Hop, comme ça. Donc, je vais le mettre là. Ensuite, là... Je vais déjà ouvrir ça parce que c'est devant mon nez. Alors, ça, on dirait un petit carnet, un petit calepin, un petit bloc-notes. Oui, si, c'est ça, un petit bloc-notes. Regardez, tout simple. Avec trop, trop joli, une petite fleur et un petit pingouin. Trop, trop mignon. Hop, comme ça, derrière. Super, super joli. Pour mettre à côté du téléphone ou dans la cuisine. Pour les courses ou à côté de moi pour mettre des petits mots trop trop jolis. Ensuite il y a des petites découpes. Ce que je vais faire, je vais mettre l'enveloppe parce qu'elle est blanche et comme ça on voit peut-être mieux voir. Alors hop là, ça c'est des pulls. Alors déjà ça, album. Oh, ils sont magnifiques les bateaux, les découpes de bateaux. Elles sont trop, trop belles. Et regardez les pulls, le pull de Noël. Oh, magnifique, j'adore. Oh là là, elles sont trop belles ces découpes. Et là, hop, un petit personnage. Oh, c'est trop, trop joli. Oh, merci. Oh, les petits bateaux, je les adore. Ils sont vraiment... Et puis la couleur... elle est très belle la couleur en fait que tu as utilisé, le papier que tu as utilisé pour faire les découpes. Elle est très jolie la couleur. Hop. Je remets dedans. Et là, hop. Hop, 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 hop. On va bien mettre pour pas que ça s'abîme. Voilà.
Là, j'ai vu que là, tu m'as mis plein de petites découpes de fleurs. Tu me connais. Oh, regardez-moi ça. Hop. Plein de découpes pour monter les fleurs. Voilà. Elles sont trop belles. Vous voyez, hein. Hop là, voilà, trop joli, vraiment, merci, j'adore, j'adore, j'adore. Hop, il y a les petites qui étaient restées, c'est les mêmes, hein, en toutes petites. Ça, quand c'est des fleurs, hein, c'est sûr que j'adore. Hop, là, et j'ai vu que il y a encore des petites découpes là. Alors, oh là 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 là. Alors, des papillons. Ah, papillon, papillon. Hop, hop. Pareil, là, c'est les mêmes de couleurs différentes. Très joli. Oh, regardez. Trop beau. Oh, les tout petits. Oh là 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 là, j'adore. Oh non, mais regardez ça, comment ils sont beaux. Oh, j'adore, j'adore. Oh, trop beau. Oh, c'est magnifique, regardez-moi ça. La libellule est magnifique aussi. Les papillons, j'adore les papillons. Le pire, c'est que dans tout ce qu'il y a là, eh ben, je ne sais même pas. Si peut-être les petits, et encore, je crois que je ne les ai même pas. Ça, c'est sûr que je n'ai pas non plus. La libellule, je ne crois pas non plus. Non, non, je n'ai pas. Ça, c'est beau. Oh là là. Le cygne, j'en ai, mais ce n'est pas celui-là. Pas du tout. Ce n'est pas cette, ce die-là. Ça, je n'ai pas. Encore, hop, un oiseau, papillon, papillon, papillon. Oh, non, mais c'est quand même fou. Je me dis toujours comment, avec tout ce que j'ai comme die, comment est-ce que bah, y a encore tellement de, bah, de choses, en fait, que j'ai pas. Dans ce que vous m'envoyez, en fait, il y a un petit peu, mais la plupart du temps, j'ai même pas la moitié. C'est dingue. Et je suis contente, bien sûr. Parce que bon, c'est vrai que quand on n'en a pas, en plus, c'est encore mieux. Oh, mais les tout petits, ils sont juste magnifiques. Je vais avoir plein de petites décos pour l'année prochaine, pour le Noël de l'année prochaine. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. La libellule, elle est très belle aussi. Hein. Et le dernier... Ah non, non, pas le dernier petit paquet. Alors, oh là là, regardez les embellissements. Ils sont juste super beaux. Les fleurs, trop, trop belles. Tu fais vraiment de très jolies choses, Audrey. Regardez. Là, c'est un shaker. C'est marqué Bullet Rêvé. Donc, hop, ça fait comme un... Ouais, comme un petit livre avec plein de... À l'intérieur, on a plein de petits sequins. Il y a en papillon, des papillons et les sequins traditionnels, des tout petits. Et des petits cœurs, on dirait qu'il y a des petits cœurs aussi. Très, très joli. Le cœur là, avec le cœur, trop, trop beau. J'adore. Très, très, très jolie chose. Alors là, celle-là, il faut que je fasse une carte où je vais l'utiliser parce que je le trouve, les couleurs, enfin les, ils sont beaux aussi les autres, hein, mais c'est les couleurs. Là, dès que j'ai regardé la couleur, la finesse des pétales, hein, je trouve que c'est très beau et ça va très, ça, avec la couleur, ça fait super joli. Hop,
trop, trop beau. Vraiment, merci. Et donc, voilà, la dernière. Encore des petites découpes de feuillage. Voilà, hop. Là. Waouh, très, très joli. Ça ressort super bien avec du doré. Alors ça c'est sûr que j'ai pas, ça je crois pas, ça j'ai pas. Donc celle-là peut-être. C'est peut-être si celle-là. Celle-là je crois. Il me semble que je l'ai. Celle-là c'est la même. Celle-là c'est la même, je crois que c'est des chardons. Voilà. Là, c'est super joli. Celle-là c'est... Elle est toute seule. Ouais, c'est celle-là que je crois que je dois avoir, ça. Celle-là aussi, je pense aussi. Mais non, ceux-là, c'est pas ça que j'ai. Je les ai pas, ceux-là, non plus. C'est les autres que j'ai. Ça non plus, j'ai pas. Celle-là, par contre, peut-être que j'ai cette... Ou sinon, c'est parce que j'en ai reçu. Elles sont juste magnifiques. Vraiment trop, trop belles. Et les couleurs, j'aime bien en doré et en vert. Elles sont trop, trop, trop belles. Écoute, Audrey, merci vraiment. Merci, merci beaucoup. C'est trop, trop gentil. Hop. Aujourd'hui, je suis un petit peu plus au calme. Parce que j'ai mal à mon poignet. Hier, j'ai un peu trop forcé, je pense. Et là, j'ai trop mal. Alors, depuis ce matin, je fais au ralenti. J'ai pas fait grand-chose parce que je peux pas trop utiliser. Ça me fait mal. C'est pas le moment de que ça tombe en panne, ces choses-là. Parce que avec tout ce que j'ai encore à bouger, c'est pas... Voilà. Hop. Je range. Hop là. Et voilà. Bah écoute, vraiment Audrey, merci, merci beaucoup. Je suis aux anges. Voilà. Je suis trop, trop contente. Hop. En plus, c'est magnifique. C'est des choses que j'adore, vraiment. J'ai hâte que mon atelier il soit à peu près rangé. Voilà, mais bon, c'est pas pour tout de suite. Hein. Il y a déjà des choses qui sont plus ou moins sur les étagères, hein, parce qu'il a bien fallu remplir les étagères. Mais c'est pas rangé encore. Je suis pas, c'est encore loin de... Disons, c'est là, si je voulais scraper tout de suite... J'ai de la place, hein. Mais pour aller retrouver les dalles, enfin les trucs, j'aurais un petit peu de mal quand même. Il faut que je fasse encore une petite révolution là-dedans pour essayer de me retrouver un peu. Parce qu'au début, quand j'ai commencé à ranger, j'avais essayé de mettre à peu près... Mais après, fur et à mesure que ça arrivait, les choses, elles arrivaient. Il faut savoir que j'avais aussi des choses dans mon grenier, des choses qui allaient dans mon atelier. Donc, du coup, eh ben, on a mis. Et du coup, ben voilà, hein. Je suis perdue à nouveau. Donc, mais c'est pas grave. Après, j'aurai tout le temps, tranquillement. C'est juste que pour scraper, c'est moins évident. Voilà. Bah écoute, Audrey et Mireille, merci beaucoup, c'est trop gentil. Et donc Mireille, tu as le numéro 80, Audrey, tu as le numéro 81, voilà. Donc je vais arrêter mon blabla parce que ma vidéo va être longue. Mais bon, c'est pas grave, aujourd'hui c'est journée détente. Donc je prends un peu le temps de causer avec vous, voilà.
Donc, n'oubliez pas, hein, la trentaine toujours qui a pas, qui m'a pas donné de signe de vie, c'est le cas de le dire. Donc, n'oubliez pas, hein, toute façon, ce n'est pas parce que je déménage que l'adresse n'est plus bonne. L'adresse que vous avez, que je vous ai envoyée en début de concours reste valable puisque je fais le suivi de courrier. Et encore pendant quelques mois, mon adresse, elle est bonne. Donc, ce n'est pas une excuse, l'adresse. Voilà. Et puis, voilà. En dehors de ça, oui, il va y avoir aussi un petit, un peu de retard dans mes envois à moi de kiss, puisque, vous voyez, puisque, comme vous savez, c'est une kiss reçue, une kiss envoyée. Donc, jusqu'à présent, j'ai envoyé régulièrement, hein, puisque j'en ai déjà posté 69, hein, voilà. Mais malheureusement, avec le déménagement, avec tout ça, et ben voilà, du coup, je suis en retard dans la création. C'est-à-dire, il y a le kiss en lui-même, voilà, il est à peu près fait. Mais c'est les petites choses qui l'accompagnent que du coup, eh bien, j'ai pas pu terminer en fait. Et du coup, ben, vous allez avoir un petit peu de retard, mais vous les aurez en fait, hein, même si le concours il sera terminé, mais vous aurez quand même votre kiss, ne vous inquiétez pas. La seule chose, c'est que voilà, je suis désolée, je m'excuse d'avance, mais il y aura du retard, voilà. Vous les aurez que courant février, voilà, le temps que je remette à peu près de l'ordre et que je puisse m'installer bien pour finir de fignoler mon kiss, voilà. Donc, voilà, les retardataires, n'oubliez pas, vous avez jusqu'à lundi, voilà, pour poster. Après, ce sera trop tard, voilà, voilà. Allez, je vous laisse parce que j'ai une autre petite vidéo à faire de courrier que j'ai reçu aussi, mais ce n'est pas des participations, c'est des personnes qui ont déjà participé. Donc, je vous laisse. Je vous dis à très vite pour une autre petite vidéo, j'espère. Hein. De toute façon, il y aura déjà celle que je viens de faire tout de suite après. Mais pour les participations, je pense que, puisqu'il y a des personnes qui m'ont dit l'avoir envoyé, mais que je n'ai pas encore reçu. Donc, vous allez avoir de toute façon encore... des vidéos, des participations. Voilà. Allez, j'arrête. Allez, Elena, ça suffit. Allez, je vous dis bonne journée. À très vite. Portez-vous bien. Bisous.